C'est une chanson à Hong Kong, hein, elle n'est pas folle. Hein. Jean-Édouard, oui, vas-y, dis bonjour à Eric et Emmanuel et aux auditeurs de France Inter. Mais ne sois pas timide, Jean-Édouard. Oui, Jean-Édouard, c'est mon petit vison beige dégradé avec doublure 100% soie, brodé à la fin. Oui, oui, Jean-Édouard, bah, si tu dis rien, attends maman dans les loges. À tout à l'heure, maman. Bon, oh, c'est incroyable l'amour que procure un vison. Éric Emmanuel, j'ai longtemps pensé que vous étiez un ancien sportif ou un entraîneur de foot à cause ou grâce à votre physique de vieux beau. Même Éric Cantona aussi a des anciens muscles qui se sont transformés en graisse. Je tiens à souligner que ce n'est pas la même chose que la graisse qui a toujours été de la graisse. La graisse, jadis muscle, est comparable à une vieille moche qui a été dans le passé un canon. Malgré la dégradation, on porte toujours un regard de tendresse sur elle, comme Brigitte Bardot. Et j'avoue que mon regard sur vous est rempli de tendresse. Attention, je ne me moque pas de vous, car vous êtes un des dramaturges réalisateurs les plus productifs du moment. Cependant, votre carrière artistique manque quelque chose. Une muse, un peu exotique, venue d'Orient, qui donnerait un second souffle à vos inspirations. Vous savez, j'incarne toutes les femmes à la fois, naturelles, sophistiquées, accessibles, hautaines, soumises et dominatrices. Cette qualité multiple que je possède est communément nommée la schizophrénie. J'ai déjà le potentiel d'une star. Démonstration. Oh, Marie, tu es ravissante aujourd'hui. Avec ce double petit top comme ça, c'est très tendance en 2003. Oh, Frédéric Lopez, vous êtes là. Ça tombe bien, j'ai soif. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on s'emmerde dans cette émission. Vous voyez, on dirait Isabelle Adjani, en moins cher, Isabelle Adjaning, par exemple. Alors, Éric Emmanuel, ne loupez pas cette opportunité mutuelle, parce que dans quelques années, ça sera trop tard, je ne vous calculerai même pas. C'était Sonny Chan, mesdames, messieurs.